could be us. So back to what I was saying. Could be us. Eh bien, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est The Vorse Productions qui vous parle. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment avoir la fonctionnalité juge sur tes Pokémon. Donc ça va te permettre de savoir à combien d'IV tu es. Donc par exemple, pour le mien, le Karmash, il est 6 IV, donc 1 IV pour PV, attaque, défense P et vitesse. Donc voilà, nous sommes à 6 IV. Et pour voir ça, je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Tout d'abord, il faut déjà avoir vaincu la ligue, ok? Une fois que c'est bon, tu te rendras à Frimapic et tu parleras au petit monsieur qui est ici pour aller au secteur combat. Donc tu feras oui. Et du coup, nous allons prendre le bateau ensemble, les amis. Donc ça va relativement vite, donc ça c'est cool. Ok, là il est en train d'accélérer, il y a quelques vagues. Alors, oh la vache, c'est un speedboat le truc. Ok, donc nous sommes arrivés à l'aire de combat. Donc tu fais le même chemin que moi. Tu vois, c'est toujours tout droit pour l'instant. Hop, et on va aller ici. Ok, donc tu passes à l'intérieur. Boum. Ok, donc vous voyez, c'est sympa là, la vue là. Ok, on continue toujours tout droit. On rentre dans ce bâtiment là. Donc jusqu'à là, c'est très bien. Et on va aller à droite. Et en fait, tu vas venir parler au scientifique qui est juste ici. Voilà, donc en soi, moi, il m'a déjà donné la fonctionnalité juge. Mais voilà, tu auras juste à lui parler. Et du coup, quand tu iras dans tes boîtes Pokémon, donc on va le faire ensemble, tu auras juste à appuyer sur le bouton plus. Voilà. Hop, encore une fois, là, tu as la fonctionnalité juge qui apparaît en bas à droite. Et quand tu cliques, boum, voilà, ça te dit que ce Grignote-là, il est exceptionnel. Donc en soi, il a 2 IV. Voilà, c'était The Vorse Productions pour un petit tutoriel simple et efficace. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner car ça soutient énormément. À commenter si t'as trouvé ça extraordinaire d'ailleurs. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!